Kassel, en Allemagne. La troisième des quatre filles de Fridolin Weber, musicien de la cour impériale et royale, et de Cécilia, née Stahl. Comme ses trois sœurs, Aloysia, Josepha et Sophie, c'est une excellente musicienne et une ravissante chanteuse. Lors d'un concert donné à Mannheim en 1778, elle fit la connaissance d'un jeune compositeur nommé Wolfgang Amadeus Mozart, dont elle tombe tout de suite follement amoureuse. Mais à son grand dam, celui-ci s'éprend de sa sœur, Aloysia. Pendant ce temps, le père de Mozart, Léopold, compositeur, professeur, violoniste, insista pour que son fils se transporte à Paris avec sa mère, Anna Maria, pour y faire connaître sa musique. Les deux amoureux durent se dire adieu. Wolfgang, parti pour Paris, Constance tomba une nouvelle fois gravement malade et dut rester alitée pour une indisposition dont elle parle avec horreur dans son journal intime. Malgré toutes mes prières à Saint-Jean de Compostelle, je ne vois plus l'amélioration de mon état. Je meurs dans ma chambre, écrasé de courtes pointes, étourdi de visites faussement chantables et de fourbes recommandations. On ne cherche point de détourner de mon abîme, puisque mon indisposition est un divertissement, une curiosité. Je voudrais mourir. Je vais mourir. Je meurs, et nul ne s'en soucie. Seigneur, aidez-moi à mourir. Combien la mort me serait douce au regard du désespoir de ne plus contempler sa figure sacrée.
Anna, la mère de Mozart, meurt de la typhoïde. En octobre, Wolfgang, triste et peu enthousiasmé par le public parisien, reprit seul le chemin de Salzbourg. De son côté, Alosia commençait une belle carrière. Mais sans nouvelles de Mozart, elle épouse un comédien, Joseph Blanche. Constance veut garder pour elle seule celui qu'elle appellera désormais Wolfi, et qui s'est installé au deuxième étage de la maison Weber, à l'œil de Dieu. En février 1782, Constance écrit à Mozart. Cher excellent ami, je dois vous confier mon désarroi, car il n'est plus de jour où je ne m'en formule le terrible reproche. Il n'est pas de devoir que j'ai trouvé plus agréable que celui de prendre soin de votre chambre et de vos affaires, car il m'offrit à maintes reprises le loisir de découvrir vos compositions. Seul dans votre univers, combien de fois n'ai-je pas chanté vos notes? Votre musique et moi ne formions alors qu'un ensemble. Une arrivée où tout devenait harmonie enchanteresse. Toute mon âme se changeait en sublime, en rêverie délicate, en poésie empreinte d'éternité. Oui, j'avoue, je confesse, je proclame, je conviens, je reconnais, j'admets combien le chant de vos notes me plongeait dans une telle disposition de gaieté. Un matin tout pouvoir sur moi-même. Aujourd'hui commence mon bonheur et j'espère que mon bonheur sera aussi le vôtre. Avec en évoquant la disparition de Fridolin Weber, Constance perdait à la fois son père, mais aussi son meilleur allié. Sa mère, Cécilia Weber, trouve en effet sa fille sans grâce et insignifiante. Aussi, la mariée à ce déjà célèbre monsieur Mozart serait une aubaine. Elle lui fait signer un engagement à devoir l'épouser au plus vite. Mais Constance déchire cette lettre. La guerre mère-fille est à nouveau déclarée. <t'->
Thank you.
Je ne souhaite donc rien d'autre que d'obtenir quelque chose d'assuré, ce dont j'ai, Dieu merci, véritable espoir. Et alors, je ne cesserai de vous prier de me permettre de sauver cette malheureuse et de faire son bonheur et le mien en même temps, et, je dois le dire également, le nôtre à tous, car vous êtes heureux lorsque je le suis, n'est-ce pas? Je vous ai maintenant ouvert mon cœur. Je vous baise 1000 fois les mains et suis à jamais votre fils très obéissant. Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Mozart s'engage à écrire une messe en guise de preuve d'amour et comme action de grâce. Comme en témoigne une lettre à son père, datée du 4 janvier 1783. J'ai véritablement fait cette promesse dans mon cœur, et j'espère bien la tenir. Comme preuve de la réalité de mon vœu, j'ai la partition de la moitié d'une messe qui donne les meilleures espérances. Mais retardé par la création de l'enlèvement Sérac, où le premier rôle se fait comme ton amant, Constance, la messe en lune sera donnée à l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Salzbourg, le 26 octobre 1783, jour de fête de Saint-Amand, saint patron de l'abbaye. Le choix de ce jour permet de fêter l'événement sans que cela soit une messe à proprement dite. Et de masquer les parties manquantes qui font de l'œuvre une messe inachevée. Les répétitions avec le cœur de Saint-Pierre s'avèrent thank you.
suffisamment complète. Elle écrira plus tard. Mozart est exalté. Toutefois, sa présence m'apaise. L'agitation n'est pas ce que je ressens le plus. Une sorte de tourment, plutôt. Oui, je suis tremblante à l'idée de gâcher son œuvre. Que mes qualités vocales m'abandonnent. Qu'un flot de larmes m'assaille. Heureusement, un castrat doit chanter les parties soprano si toutefois je souhaite interrompre ma prestation. Mon Dieu, comme j'ai peur. Thank you.
in excelsis et avec le plus grand plaisir, toute sa vie future à mon destin. Je vous baise les mains et vous remercie avec toute l'affection d'un fils à jamais ressenti pour un père, pour le consentement que vous avez eu la bonté de m'accorder et pour votre bénédiction paternelle. Ma chère femme et moi, vous baisons mille fois les mains et je suis à jamais votre fils très obligé, Wolfgang Amadeus Mozart. Benedictus. Thank you.
Benedictus qui venit.